Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter 4 lieux dits en une seule partie. Alors j'ai une petite astuce pour vous pour réaliser ce défi, par contre ce que je vous conseille c'est d'aller directement à Connect Cross World. Alors soit il y a deux possibilités, soit vous déposez un pied sur le dirigeable et ça valide l'emplacement de Connect Cross World comme première ville, comme premier lieu dit. Après je ne suis pas sûr que ça prenne en compte que vous êtes dans la ville. Donc soit vous déposez un pied sur le dirigeable, si ça valide votre emplacement, bah tant mieux, vous ne descendez pas plus bas. Sinon vous descendez dans la ville de Connect Cross World et là vous posez un pied dans cette ville pour valider le premier lieu dit. Dès que vous avez posé un pied à Connect Cross World ou sur le dirigeable et qu'il a marqué 1 sur 4, vous allez sur le dirigeable, voilà comme ceci. Ensuite vous allez chercher le canon d'artillerie pour vous propulser vers Tilted Tower. Donc là je vais vous montrer comment faire. Hop, là je monte au deuxième étage, je vais ici à l'extérieur, je prends le canon qui est juste ici, je vise Tilted Tower, je vise bien haut, je maintiens L1, je tire avec R1. Donc au pire des cas, ici il y a un autre canon d'artilleur normalement, mais je ne le vois pas. Ah, il était là-bas, je suis un peu trop loin. Donc au pire, vous voyez, j'étais un peu trop court pour aller à Tilted Tower. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous arrêtez au canon d'artilleur qui est juste là. Donc là, j'ai pas anticipé le coup, mais j'aurais dû le voir plus tôt. Vous allez au canon d'artilleur qui est juste ici. Boum. Vous vous dirigez vers Tilted, vous visez. Tirez bien en hauteur. Voilà. Ensuite, vous ouvrez votre planeur. Vous déposez quand même un pied dans la ville de Tilted Tower pour être sûr que ça valide bien votre emplacement. Parce que je ne suis pas sûr. Vous pouvez même aller sur le toit de cette maison. Il y a un canon. Ou alors, vous allez sur la tyrolienne et vous remontez dans le dirigeable comme je vais faire. Donc là, on remonte dans le dirigeable. Ensuite, on va directement sur le deuxième canon. Mais on va utiliser le canon de l'autre côté. Donc là on est déjà à deux villes, deux lieux dits visités en une seule partie. Ensuite on prend le canon qui est juste ici. Et là on va se diriger vers la forteresse. Donc la forteresse qui est juste ici. Donc hop, on tire. J'aurais peut-être dû tirer un peu plus haut. J'ai un peu déconné sur ce coup là parce que là je vais tomber un peu plus bas. Donc j'aurais dû tirer un peu plus haut. Mais directement vous allez vers la grosse taupe là, la grosse foreuse, et normalement ça validera le troisième emplacement. Donc par contre je suis tombé un peu trop bas, essayez de tirer un peu plus haut. Ensuite vous prenez la tyrolienne qui est ici, hop, vous montez ici et normalement il doit y avoir, ah ouais, une autre tyrolienne, voilà, une autre tyrolienne au milieu, hop, et là regardez, il y a un autre canon, vous allez utiliser l'autre canon et là vous allez vous diriger vers... oh non, il a cassé mon canon. Ah l'enfoiré. Bah faites attention au bot, hein. Essayez de... Ah mais je sais même pas si c'est un bot. Ah non, c'est même pas un bot en fait, c'est un joueur. Il me semblait bien que les bots, ils étaient pas si focus que ça. Donc essayez de tirer le plus haut possible et le plus rapidement possible pour vous diriger directement vers l'état-major enfoui. Et là, logiquement, bah, vous aurez validé les 4 emplacements. Donc, vous aurez terminé le défi. Donc, regardez, ici, il y a un petit canon. On va l'utiliser pour aller à l'état-major enfoui. Hop. Et hop. Et là, vous tirez. Donc, bien entendu, je pense que vous pouvez faire cette astuce aussi en foire d'empoigne. Regardez là, visiter le sanctuaire, Tilted Tower et l'état-major. Ça a été validé. Donc là, c'était 3 lieux dits que j'avais pas encore fait. Donc là, j'ai validé le défi, mais j'ai visité la forteresse en plus, qui était juste en bas. Donc, ça fait 4 lieux dits en une seule game. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis jamais arrêté. Donc, j'ai pris aucun fight. Vous voyez, j'ai aucune arme. J'ai juste eu un moment de stress à un moment parce qu'il y avait un autre joueur. Donc, ça se passe tout seul. Franchement, je pense que c'est la meilleure astuce pour valider le défi. Après, ça fonctionne sûrement en foire d'empoigne. Donc, si vous allez en foire d'empoigne, vous construisez des constructions et vous vous déplacez en volant. Ça peut être encore même plus rapide et même plus facile.
Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.